Attends, on a vu un chez Copic là ou quoi? Oh, ça prend Ying. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh le move. Oh le... Oh l'intelligence. Oh. Mais l'autre la t-shirt de chez le coiffeur là, et avec son petit dégradé de merde, avec sa petite chemise. Ouais bah moi j'étais là pour un afterwork. On lui dit police, police. Il se transforme, c'est la cage au folle là, il court dans tous les sens et tout. Moi j'essaie d'être sympa, tu vois, j'essaie de lui dire calmez-vous monsieur, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est dans mes fils de pute dans la cuisine pour se servir un putain de burger. Et l'autre est là, et bah on rentre pas dans la cuisine, ok, il me tire dessus. C'est pas un drone, c'est une smoke ça, mec. Une adoption, tu deviens son père. Ça voudrait dire qu'il faudrait que Nick ça. Ah bon, c'est possible, hein. Sébastien Loeb, tiens. Bam 360, mon gars. Bam, il tout. Oh putain. Salut. 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 J'en ai tué 12. C'est moi, on est en Discord, 2 minutes. Où ça sera le point, ça sera... Si veuillez m'excuser mon lieutenant, j'ai ma bouche qui s'est bloquée tout d'un coup et je ne pouvais pas m'arrêter de parler. Pardon, j'ai... Alors je savais pas que ça tue quand tu viens sur la tête. Parfois tu veux monter. Let's go. Il y a encore quelqu'un, je le fais reprendre. Wow, bien joué ça. J'ai envie de dire que le jeu d'Alpha, en partant, on a du mal à s'y faire. Ok, passe pas celle-là, vous avez pas compris. Eh bah allez, on du mal à s'y faire. Allez, Sniper. What, mec? Mais qu'est-ce que tu fais là? Non, non. Tire tes balles. Vas-y, bah y'en a plus à un moment. Ah y'a un moment, y'a plus de balles. Ça casse la porte quand on va du one tap. Ah, okay. J'ai dit quoi, on casse la main d'or, on va mettre du one tap. Ça tire où là? Y'a un mec là. Les feux de l'enfer. Bip 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 bip. Victoire des défenseurs. Pas. Attention, ici c'est l'école. La vie version salée. Ce live contient donc toujours une dose de second degré et de sarcasme aussi grande que l'humilité de notre cher proviseur, lol.
Yo tout le monde, comment ça va sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée tout le monde. En ce début de truc là, Salty Duel. Hein? Allez rentrer. Yo. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Du coup, il reste encore 2-3 petits trucs à voir pour faire les trucs correctement. J'ai encore du taf. Moi qui ai dû dormir une heure. j'ai oublié de manger aussi. Tiens. Désirez-vous une petite tasse de café? Non, ça c'est bon. J'ai pris 3 cafés et une moitié d'orange. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai pu prendre. Et il me reste encore un truc. J'ai oublié la création de la custom game, donc je vais le faire pendant que je suis en train de vous parler. Si quelqu'un veut bien me l'envoyer là où je leur ai demandé, à savoir sur le WhatsApp. C'est dur. Ah, heureusement, allez, oui, ici. Thanks. Bon, ça va tout le monde? Salut beau gosse de Six, comment vas-tu? Ça va, beaucoup de stress, beaucoup de boulot en ce moment, un peu surmené, je vais pas vous mentir. Hein. Et quand je suis stressé, j'aimerais bien dire que je me transforme en la meilleure version de moi-même, mais je me transforme en la pire version de moi-même. Donc tout le staff s'en prend plein la gueule. Hein, parce que je vais pas vous dire le contraire, je suis quelqu'un d'assez transparent et entier, et le staff s'en prend pas mal dans la gueule en ce moment, voilà quoi. Il y a des guests dans cette édition? Ouais, il y a beaucoup de guests, ouais. Ouais, je crois. Après, j'attends la fin du check-in qui arrive dans 15 minutes. Je me disais bien que tu avais dormi tard et que tu me répondais tôt. Bah ouais, écoute, pour chercher un cinquième pour l'équipe Youngtis jusqu'à 3h30 du matin et PV des gens... Et lever 7h. Tiens, pourquoi t'es pas mode, toi? Tiens, Espure. Welcome. Check quoi? Merci, Lewis, t'es un monstre, poulet. Envoyez des GG à tout le staff qui résiste encore. Certains ont jeté l'éponge tellement j'étais casse-couille. Ok, ah oui d'accord, ok, ça marche. Ok, je check ça tout de suite. Right now, désolé si tout n'est pas encore tout à fait prêt les amis. Mais voilà. Normalement ça commence à 14h de toute façon. Alright, est-ce que c'est dans l'ordre frérot? C'est dans l'ordre, si je regarde ça va être dans l'ordre, Lewis? C'est quand le premier match Youngtis pour rappel STP? What the fuck? C'est les Salty Duels aujourd'hui les amis. Mon cerveau ne peut se concentrer déjà que difficilement sur une tâche. Ouais, normalement c'est dans l'ordre. Ah, je déteste les normalement. Mais je vais faire avec. Normalement c'est dans l'ordre. Ok. Ok, alors attendez. Mais c'est pas la copie des écrans du coup. C'est pas très grave. Bougez pas, je suis en train de faire les settings derrière, vous l'entendez sûrement. Vous entendez Rainbow Six. On s'installe confortablement, allez chercher le popcorn. Pendant que je suis en train de faire encore les dernières modifications. Nombre de rounds. 12, comme ça vous avez les infos en live. Attackers, defenders, walls, swap. 1. 3. Overtime score difference. 2. Overtime rule change. 1. Overtime rotation parameter. 2. Oui, c'est bien. Il faut que ça change à tous les rounds. Les oui. Peak phase timer. 15. On va y arriver. Opérateur HP.
Ouais, c'est bon ça, on change pas. 20. Bon, il y a des trucs qui sont pas dans l'ordre, hein. Et c'est d'aujourd'hui, hein. Any fucking way. Death duration 2. Death replay off. Et le timeout, forcément, il n'y en a pas. Len participe normalement, ouais. On regardera les participants juste après, les amis. Le duration, c'est 30. Ça, c'est le plus important. La phase de préparation ne dure que 30 secondes au sol tiduel. Et la phase d'exécution ne dure que 150 secondes. Et pas 180 secondes. 2,30. Ok. I think we are good. J'espère. Les maps. House. Plane. Et la dernière. Yacht. Oui, monsieur, dame. C'est ça, les salty duels. Yo, 6-4, Sneezy, c'est un guest. Mais c'est qui Sneezy, les mecs? C'est qui? Il y a plein de gens dans cette communauté. Je suis désolé, je les connais pas, les amis. Il y a plein de gens. Parfois, je me dis, ah ouais. Après, les gens, ils le prennent mal. Ouais, je peux pas connaître tout le monde. Je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler. Sécurisation de zone, putain. Eh, mec. Heureusement que tu viens de me le dire parce que j'avais mis otage. Qu'on donne un sub à cette personne. Delete this match. Eh oui, c'est bien de la sécu de zone. On est en 1v1. Save playlist. Cancel. Add match. Yeah. Presidential plane. Yeah. Ad match. Pourquoi est-ce qu'il me fait ôter du... Je t'ai dit... Ah non, c'est duplicate. Fucking hell. Excusez-moi. On va y arriver. Duplicate. Voilà. C'est pour ça que ça faisait de la merde. Et ensuite, c'est duplicate. En même temps, on est d'accord que le truc de d'Ubisoft, c'est pas... la custom game, c'est pas le truc le plus sexy du monde. Qu'est-ce que c'est pas ouf. On fait avec. Hein. Ok. Ouais. Oui. Ok. Merci infiniment en tout cas, Docteur Bédo, d'avoir offert la possibilité. Si vous me voyez dandiner sur ma chaise, les amis, c'est que je suis dans la douleur absolue. Vraiment, j'ai très très mal. Merci Docteur Bédo pour Slowey. Merci Petit Duche pour les 9 mois de frais scolarité. Merci Docteur Bédo pour Diogo, t'es un monstre. Pour les... Merci pour les 2 mois de frais scolarité. Voilà. Et donc, j'ai pas mangé et je suis sous kétoprofène. Donc, si je vous parais un peu shootax, c'est normal. Voilà. Ceci étant dit, c'est un bon truc de cheval, quoi. On est bon. Uber Eats. Ouais, mais je peux pas manger, là. C'est pas possible. Ok ? En avant. Et il est 13h52. Et on va pouvoir regarder le bracket bientôt. Ok. My God, my brain. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va regarder le... Ok. Où est-ce qu'on va se mettre? On va aller se mettre là pour le moment. Bougez pas. Oui. Là, ça devrait être good. On va passer sur le truc. Nom de Dieu, la taille du truc, quoi. Alors, ça va peut-être changer encore le bracket jusqu'à 14h00, le temps que les gens fassent le check-in, etc. Je pense. En avant. Je vous le présente.
love là. Vas-y, je suis en plein stress, je vais me faire défoncer. Ah ouais? Ah voilà tout ce qu'il y a, les amis. Ça fait un sacré paquet de personnes, non? C'est pas fini. Hein. On vient juste de dépasser la moitié là. Les holy subs, ça donne quoi? Ouais, je pense qu'on les a défoncés. Si vous avez des questions par rapport au Salty Duel, posez-les directement sur le channel de la prod. Toute question par rapport à la prod, si vous faites partie du Salty Duel que vous posez dans le chat, c'est un avertissement, puis un ban du chat et des Salty Duels. Il y a un serveur de la prod avec des règlements qui ont été faits. Si on fait ça pour 200 personnes de répondre individuellement à tous les trucs que vous n'avez pas voulu lire parce qu'on vous a fait un petit règlement, les amis, pas piquer des hannetons sur lequel toute la prod a bossé comme des enculés, on ne pourra pas faire de cas par cas. Et il y a un message qui a été épinglé. Ok, qui est-ce que vous voyez de très connu là? Merci T1 pour les 3 mois, t'es un monstre poulet. En parlant de la prod, j'ai mis un donation goal. Si vous voulez participer, la thune qui est récoltée aujourd'hui partira à la prod. Qui sont bénévoles. Moi, je vois ADN en très connu. Rancœur, tu participes toi? Il y avait pas l'IKEFAC? Si, si, y'a l'IK. JFK. Len. Ah, n'hésitez pas à mettre des photos de vous sur le truc. Hein. Tiens, on peut faire passer le message. Il y a une personne de la prod, Lewitt est là. Dis-moi, sur le règlement, rajouter une phrase en disant, là où ça parle de s'inscrire sur Shalong, de dire de mettre une photo qui correspond, une photo de profil. Tu sais, une phrase propre, mieux que ce que je viens de te dire, quoi. Et que ça apparaît quelque part sur une phrase du règlement. J'en connais zéro, t'as dit ? Bah attends, quand même. Il y a des bons joueurs, là. Il y a du T2. Il y a du T1, T2. Il y a des anciens participants du Unctis Royal. Il y a Klega, ancien héros de ancien Make Me a Monster. Donc on regardera un match par bracket. Pendant ce temps-là, tous les matchs seront en cours. Donc chaque personne est en train de gérer. Donc vous verrez, on verra l'update du tournoi. Forcément, on ne peut pas suivre tous les matchs. On peut en suivre qu'un. Donc là, si vous allez jusqu'au bout, vous avez un match, deux matchs, trois matchs, quatre, cinq, six, sept et huit. Vous avez huit matchs aujourd'hui. Très probablement, en fonction de la durée de la prod, ça va être BO1, 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 BO3, BO3, BO3 ou BO1, BO3, BO3. Ok, je vais mettre à l'endroit de la prod. Je ne sais pas si elle va apparaître. Enfin, faut pas qu'elle apparaisse, mais on va se mettre sur l'endroit où il y a la prod.
Ah bah super, dites donc. Où est-ce que je suis parti, moi? Ah désolé, je me suis pas super bien... Je suis pas au meilleur des endroits. Je regarde encore des personnes. Attendez, je vais update le machin, je vais faire un F5 là-dessus. Ouais, parce que j'ai peur que depuis tout à l'heure, ça se soit bien update. Il reste une minute. Je vois combien de participants là? Je vois un 173. Je vois un 181. Je vois un site 181 quand même. Je vois un 183. Putain la vache. 183 personnes pour un PC. 183, c'est écrit tout en haut de la page. Ah bah voilà. Bah je suis débile. Alright les amis, il est 14h00. Si tout est en place, eh bien normalement le vrai bracket final c'est celui-là. Ok, du coup on aura quoi comme match sexy? Oh, j'entends par sexy des personnes que je connais. On a Len face à Elysium. On a Ranker face à Hostilia. On a Bento. On a Archery Oxide. On a ADN qui joue face à Koru. On a Nero des Yungtis qui joue contre Le Touquet. On a Alro des héros d'Oregon qui joue contre des héros de l'EHPAD qui joue contre Chou. J'en loupe, hein. Il y a des gens que je connais pas, mais je suis désolé. On a... Je loupe forcément des gens. Ah, j'ai... Oh oui, c'est vrai qu'il y a des personnes de droite qui sont déjà en train d'attendre. Loki, c'est pas mauvais, Loki. Ça fait partie de T3, ça. T4. S'il y a des choses à me dire, la prod, n'hésitez pas à venir dans mes oreilles. Je dois être au bon endroit, j'imagine. On a Kléga en bas. Ouais. Je sais pas qui c'est. C'est qui? C'est Vigel. Yo Vigel, ça va? Ça va, ça va. Dis-moi tout. Alors pour la première game, il faudrait que tu invites Len. Ah, on va aller voir le cher Len. En avant poulet. Alors attends. Enfin, il faut que je l'invite. Il faut qu'il m'invite, j'imagine. Enfin, je peux le faire aussi. C'est pas grave. Normalement, non, tu crées la PP, tu l'invites et il t'enjoint. Et okay. Il invite ensuite son adversaire. Merci Sangoraf pour les 4 mois. Merci T1 pour les 3 mois. Nickel poulet. Custom game. Attends, deux petites secondes. Je vais mettre sur le bon settings en revanche. En termes de display. Hop. Graphics. Ok. My brain! Putain, mon cerveau me lâche. West Europe. Yes. Create as a spectator. Yes, je fais attention, autrement je me prends 5 minutes dans la gueule. J'avais bien appuyé sur ce petit duel ou je suis débile? En espérant que les serveurs Ubisoft marchent et ne nous lâchent pas en plein milieu de la journée. Ok, est-ce que tu connais la map ou ils l'ont pas encore fait ou... N'oublie pas qu'il faut aller leur demander la map. Qui feront un map ban Vigel, c'était toujours là. D'accord, t'en as rien à branler de ce que je suis en train de te dire. Ouais, okay. Je leur demande. Ah ok, excuse-moi. Ok. Il a du goût quand même, hein. À son âge. Avoir une référence à Heat. Ça, si c'est pas l'un des meilleurs films d'action de tous les temps.
Invité en jeu. Ouais, s'il y a des trucs à dire, faut pas hésiter à jump in. Hein. Dans là où t'es, en vocal, ok? Pour moi? Non, je parle au chat. Ah oui. Le chat. Ah, tu fais bien. Les 430 viewers, n'hésitez pas, hein, vu que vous avez aucune connaissance de la prod. Si vous avez si à un moment vous voulez m'aider sur la prod, venez dans mes oreilles, vous qui avez pas l'accès sur Discord. Bah oui, je parle à toi, Vigel. Ils sont en train de le faire. Ok. Donc c'est simple. Celui qui est en haut dans le bracket, il choisit tout. Ce qui est logique. Il choisit tout. Il choisit la première map à ban. Ce qui veut dire que l'autre choisit la map sur laquelle ils vont jouer. Par définition, en choisissant la première map qu'il a à ban, il choisit aussi le side. Parce que c'est pas lui qui choisit la map. Donc il choisit, c'est simple, il choisit tout en fait, c'est ça qu'il faut retenir. La personne qui est en haut dans le bracket choisit tout et c'est logique. Il choisit, c'est lui qui commence le map ban. Et c'est lui qui choisit le side sur lequel on va jouer. C'est aussi simple que ça. Je vais juste aller dire à son gars en vocal de quitter le vocal. Vas-y. Pour qu'ils se mettent ensemble. Merci Spake, merci Alex Flex to be, nouvel étudiant, nouveaux étudiants, encore plus vous êtes des monstres les amis. Bon, en sachant que s'il y a bien un moment dans la prod où ça sera compliqué les amis, c'est maintenant tout de suite, au début, après ça roulera tout seul les gens, une fois que tout le monde a fait son premier match. Voilà quoi, là faut imaginer qu'il y a 200 joueurs et dans peut-être déjà 20 minutes, ils sont plus que 100. Voilà. Yo, Kara. Qu'est-ce que je peux faire? Len, il va me falloir le nom de la personne en face. Ouais. Ouais, c'est bon, ils sont en vocal, ils vont gérer leur truc. Et je te préviens dès que j'ai la map. Ok, tu peux me dire le nom de la personne qui joue contre Len, genre exactement son dos? Je peux te l'envoyer en MP si tu veux. Non, je veux bien que tu me le dises. Alors c'est un E, L... C'est si compliqué que ça? Elysium. Ok, mais... Okay. Oui, tu veux le... Non, comme le film, avec... Non, Eli. C'est ouais. C'est un I et pas Y. Ah. C'est que des I. C'est E L I S I U M. C'est bon, c'est fait. Parfait. Après, il me faudra me dire la map, du coup, et qui commence où. Tac, je joue en vocal avec eux, je reviens. Ok. Jusqu'au 17 mars 23h59, bah faudrait l'enlever ce truc. Je pense qu'on les a défoncés sur le truc. Merci Alex Flex to be d'avoir offert la possibilité à Oni Gaming. Alors la game. Pote. Ouais, vas-y. C'est House. Ouais. Et c'est Elysium qui commence en attaque. Et c'est Elysium en orange qui commence en attaque. T'es sûr? T'es sûr? Si j'ai bien suivi, oui. Ok. Normalement, c'est bon. S'ils disent rien dans le chat en game, c'est que je me suis pas trompé. Nous, notre BG à la casquette folle. Merci Ampty, pardon pour les 3 mois de frais scolarité. Yep, visiblement c'est bon, poulet.
Super. Eh ben, je retourne avec la prod, enfin avec les... Ok, avec ça marche. Eh ben, c'est parfait. Est-ce que la prod est gérée, du coup, ça va être bon? Ouais, ouais, je me charge de tout ce qui est de prévoir les castes. Alright, ok. Ok, ça marche. Merci, Poulet. De rien. À plus tard. Bon cast. Ciao. Thanks. Ok. Eh ben, on va partir là-dessus. R. Premier match de la journée, ladies and gentlemen. Qui va gagner? Prédiction et tout. Merci Dano d'avoir offert la possibilité à 10 personnes de payer leur scolarité, Poulet. T'es un monstre. Merci pour Peptars, Winnie, pour Leaf, Roger, Gadi, Apollon, Toots, Party Hard, Antiz, Mazei King, ils se font tous payer leur droit de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Envoyez plein de GG, plein de cœur, s'il vous plaît, pour Nano, le héros de l'EHPAD. Bon, qui a 30 pistes, donc voilà quoi. Mais héros de l'EHPAD quand même. Merci Poulet, t'es un monstre, vraiment. Tu stream jusqu'à quelle heure? Ah bah là, c'est une obligation de résultat pour moi. Hein, je stream jusqu'à ce que ça soit terminé. Il n'y a pas d'heure, là. Et on remercie aussi Flow Up, bien évidemment, les amis. Sans qui ces Salty Duels ne seraient pas possibles. Les personnes à remercier, forcément, c'est forcément Flow Up en 1. Et Execo avec toute la prod, tous les gens que vous voyez... Tous les gens que vous voyez avec les petites épées, les trucs, les machins, là, intervenir autour de vous. Enfin, ceux qui bossent, parce qu'il y en a, ils foutent rien. Mais la majorité, quand même, se démène. Et en plus, ils doivent me supporter. Ça, je crois que c'est vraiment compliqué. Surtout en ce moment, ils s'en prennent plein la tronche. Donc voilà. Sauf moi, MDR. Ouais, c'est pur, voilà, tu faisais partie des gens qui branlent rien. C'était pour toi. C'est quand j'ai vu ton pseudo, j'étais obligé de rappeler quand même qu'il y a 2-3 personnes qui foutent que dalle. J'ai pas de réponse sur le R. R pour laine. R pour Elysium. Good luck. En avant les amis. Begin now. Qui va gagner? Prédiction en haut de l'écran, les amis. Ah ouais, vous mettez tous l'end vainqueur. Je pense pas qu'il soit mauvais, Elysium Remdol. Attackers need to locate the biohazard container. Five seconds.
Allez, c'est parti, du coup. Ça prend Oryx. Un petit alarme, bien évidemment. Là, ça va jouer sur les mechas. Len qui ping pour lui-même. Qui renforce. On rappelle qu'on est en sécurisation de zone, en plus. On n'est pas en... On n'est pas du tout en plantage de bombes. Donc forcément, voilà quoi. Difficile de jouer l'objectif sans une confrontation directe. Problème de son, on n'entend pas les murs de laine. Ça s'appelle Rainbow Six, frérot. Laine passif. Oh le bait. Ouf, quelques petites balles. Oh, assez pour faire énormément de dégâts sur laine. Sur Elysium, pardon. Deux petites bastos là. Et on perd déjà 60% des HP. Ça commence mal pour le joueur Grimdall. Qui aurait pu voir le pied? Il aurait pu voir le pied. Et le petit pré-shot de la part de Len. Et ça fait 1-0. Pour le jeune prodige. Et on switch instantanément. Règle des salty duels. L'attaque passe à la défense instantanément. Défense passe à l'attaque. Et on repart sur une compo similaire. Oryx d'un côté. Et Yana pour remplacer une hache de l'autre. Je trouve Yana plus intéressante quand même. Surtout sur un 1v1 où parfois on peut se faire péter ses drones. Et on peut perdre un petit peu le... Le fil de la position de son adversaire. Yana peut rajouter ce petit complément de prise d'information. Et puis rajouter un petit... Rajouter ce petit truc aussi au niveau des décales. Pour mettre un petit doute. Faire un petit bait. Ça peut être sympa. Oh! Oh, oh, on sait qu'il utilise son drone. On sait qu'il utilise son drone. Donc du coup, on est en train de se dire, si ça se trouve, il est juste à côté de nous. Il est juste à côté. Ils le savent pas parce qu'il est en train de droner. Et on l'a entendu. On l'a entendu. Et on sait. Les deux savent. Et malheureusement, on va décaler. Oh, heureusement, on a fait un petit chécopic là. On s'est pas donné totalement. Et le décale de la part d'Elysium. Nice shot. Un partout. Et on le rappelle, il y a un PC à 1 200 € offert par FlowUp à gagner. Ladies and gentlemen. Et on re-switch. Cette fois-ci, visiblement, on a décidé de prendre Ibana. On a peut-être peur des murs garage du côté d'Elysium, mais on s'aperçoit que bah, c'est pas dans le garage. Merci infiniment Sanjoku pour les 15 mois de frais de scolarité. Merci Lios pour les 7 mois. Encore merci Nano, t'es un monstre poulet.
Bah allez, on y va. On joue pas vraiment sur le côté setup, on fait des trucs simples. Un mur de renforcé, deux murs renforcés. Et on joue Oryx. Ce setup du bled. Plus connu sous le nom de Ranked sur Rainbow Six en 2023. Un Elo supérieur à diamant. Où tout va jouer sur les mécaniques. Et on attend. On n'a pas vraiment besoin de se donner. N'oublions pas, il n'y a que 2 minutes 30 au compteur. 150 secondes pour trouver l'adversaire. On l'a entendu. On l'a entendu juste au-dessus. On tente un petit pré-shot là à travers, ça connectera sur rien du tout. On le sait qu'il est dans la librairie et on l'entend bouger derrière. On casse le drone et on se replace. Et malheureusement on vient de donner confirmation et là on perd le fil du côté d'Elysium. On sait plus vraiment où il est. Du coup on est un peu dans une logique de fait échec. Est-ce qu'il est au bout là-bas? Est-ce qu'il est contact à droite? On sait pas. Et on s'est relocalisé au niveau des toilettes du côté de l'aine. Et on y va, on fait échec. On l'a entendu à droite. Ah, attention, on l'a entendu à droite. Les petits pré-shots aux endroits où on pense voir la tête. Et la décale, malheureusement. La prise d'info, elle était bonne. Mais on aurait du pré-shot, là. Et le bon placement de la part de l'aine. En plein milieu, justement, pour surprendre. On va pas mettre sa tête à des endroits connus. Et ça fait 2-1 pour l'aine. Qui a le tab. Combien de manches déjà? 12. Comme en vrai. Merci infiniment Shadow Jenko. Oui. Pour les 2 mois de frais scolarité, un monstre poulet. Et n'hésitez pas les amis. La thune récupérée aujourd'hui partira à la prod de la Salty Academy et les bénévoles du campus. Croyez-moi, il leur faut bien ça pour se payer. Du Xanax ou du CBD. Force de travailler avec WAM. Allez, on s'attend à un spawn kill du côté de l'aine. Il n'y en aura pas, en tout cas pas sur cette fenêtre, mais attention à l'autre. Attention à l'autre. Attention l'aine. Il est pas naïf. Il est pas naïf. Mais on prend la bonne caméra. Du côté de Vigile. Et on l'a pas vu passer. On l'a pas vu passer. Attention à ça. Et on prend la rota là. Faut pas trop bouger du côté de Vigile. Cette ligne, elle est dévastatrice. Et on envoie le drone. Kobe Bryant. On prend l'info. On a l'info non visuelle mais sonore. Et on sait. Et Elysium tout à l'heure c'est toujours celui qui a été le plus greedy. Est-ce qu'il va bouger? Ouais il bouge. Oh là 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 là. Mais il reste quand même au contact de la fenêtre. Il prend l'info. Et attention. Attention parce que de l'autre côté. On n'avait pas vu du côté de l'aine. On n'avait absolument pas vu du côté de l'aine. La petite préparation la parfaite. On joue sur la verticalité comme il faut du côté d'Elysium. On joue pas que sur les mécaniques, on fait aussi marcher son cerveau. Et ça fait 2 partout. Deux deux. Et on décide de prendre un Cathol. Pour aller se mettre au niveau du billard. Ça peut être intéressant ça.
Alors Ibana, why not? Est-ce qu'on va changer du côté d'Elysium? Ouais, on va changer, forcément, on va prendre H. Et là, du côté de l'Aisne, on prend le Castle. Parce que Castle, ben, c'est revenu à la mode quand même. Ça fait mal sur les petites décales, les petits pics. Ça envoie une, deux petites balles. Ça a une cadence de merde, mais ça picote quand on va taper dans un bras. Donc déjà, au niveau de son arme, c'est pas dégueulasse. Et puis surtout, on peut un peu comme ça terraformer la map. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il le sait? Eh non, on est en train de prendre la forêt avec IQ. Bien évidemment. Du coup, ça va pas nous donner grand-chose, si ce n'est de savoir que c'est un opérateur qui peut utiliser visiblement des alarmes. On s'attend peut-être à un Oryx, du coup. Et on drone, et on saute, et on va se faire... Oh ! Pouf ! D'où est-ce que ça passe, ça ? Bah, ça passe parce qu'on met une tête instantanément. Comment est-ce qu'il se pouvait s'attendre au fait que la personne était accroupie ou allongée ? Ça passe à pas grand-chose, honnêtement. On prend ses responsabilités de la part du jeune Krakito. Et ça fait 3-2. Les défenses sont à l'honneur. On reprend l'avantage du côté de l'Aisne. Et cette fois-ci, on va jouer un pulse du côté de Grimdall. Même arme, à moins que... À moins qu'il nous fasse un pull shotgun. Non, c'est bien du MP45. Et on va s'enfermer sur le site où on va sûrement jouer sur la verticalité. Mais ça, ça ne marche que si, eh bien, on casse les drones. Ouais, Lan, il a décidé de prendre un lion. Il a envie de verrouiller directement le pulse, peut-être. Jouer aussi sur la possibilité d'avoir un gun 6. Et là, on a pris l'info. On sait du côté d'Elysium qu'on a affaire à un lion. Ouais. Nous avons une mauvaise nouvelle à t'annoncer. Non, pas de mauvaise nouvelle à m'annoncer. Ou alors bon, par écrit, dans ce cas-là. Non, bah c'est que le site a décidé de refaire le bracket à 14h20. Et du coup, le match Aisne contre Elysium n'a du coup jamais vu le jour sur le site. Bravo, les amis. Voilà. All right. J'ai pas cette erreur de bracket sur le site. Eh ben écoute, il faut s'assurer que ça bouge pas. Donc du coup, est-ce qu'il continue le match ou est-ce qu'il... Bah ça sert à rien, c'est juste une game de chauffe. Il faut que tout le monde change ses games partout. Ah! C'est-à-dire que là, tout le monde avait commencé ses games et tout le monde doit recommencer. Ah si, je te laisse gérer, ok? Ouais, je te réorganise le tournoi. Du coup, right. Stop, guys. Ouais, c'est la D. Un mine sur le Discord. Ok, bah ouais, ça fait chier parce que c'était un beau match en plus. Ok, du coup, eh ben, je reviens au menu avec ce petit inconvenu. Bien évidemment. C'était sûr, trop deg, apparemment. Leur bracket est bon, apparemment. Moi, je vois le match Aisne Elysium. Bon, dans tous les cas, je pourrais faire un rehost. Si c'est le cas. Pourquoi est-ce que ça ne revient pas au menu? Please, Rainbow Six, please. Soyez cool avec nous aujourd'hui. C'est déjà assez dur comme ça, les petits serveurs, là. Alors, attendez. Pourquoi est-ce que je ne vois pas le bracket? Ah non, c'est peut-être ça, peut-être. Ah oui. Ah non, moi je le vois pas. Je le laisse gérer.
Le match était trop bien. Bah, je suis d'accord. Je suis parfaitement d'accord, les amis. Je laisse la prod gérer. Ça va peut-être prendre un peu de temps. Ouais, malheureusement, si le site a réorganisé le truc, eh ben... C'est dommage. Moi, je vois toujours l'Analysium. Bon, dans tous les cas, ça, c'est pas le plus difficile. On pourra toujours faire un rehost en faisant les choses proprement. Je regarde. Laissez-moi deux petites secondes. On attend un petit peu. Oui, l'ascenseur émotionnel. Désolé si je réponds pas, du coup je gère les problèmes de prod en même temps. Ok, alors, pour le bracket là, après l'avoir remis à jour à peu près 18 fois, attends deux secondes. Faut que j'attende, il est plus là. Attends deux secondes. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ok, alors pour le bracket, je viens de regarder. En fait, ils ont mis à jour le T1 et le T2. Donc, ils avaient tout était un peu dispatché partout. Ok, juste moi, je veux juste la finalité. Ok, gérer entre vous, les amis. Be pro. Ok, alors le match Lane Elysium existe toujours. Il est juste en T2. Ok, d'accord, voilà. En T2. Donc sur le deuxième machin, mais on peut le faire à la limite. D'accord. Donc au final, on peut le finir. D'accord. N'hésite pas, Poulet, à avoir ce genre de confirmation avant de me dire d'arrêter le truc. Ouais, right, alors, ça marche. Moi, le problème, c'est juste que c'était l'aide de quelqu'un d'autre. C'est pour ça. Ça vient de se remettre à jour. Donc, est-ce que ça va pas se remettre à jour? Normalement, non. Là, on a tous le même, là, pour le moment, actuellement. Ok. Alright. Ça a juste validé les matchs finis. Ça a juste validé les matchs finis. D'accord, donc ça a pas du tout retapé le bracket. Ok, ça marche. Okay. Ça a pas trop fait ça parce que... Enfin bon, ça... Ok, ça roule, je te laisse, Vigel. À plus tard. Bisous. Ouais, à plus. Sorry les amis, mais bon. Ok. Du coup, je recrée. Avec Len et notre cher Elysium. Si Rainbow Six ne fait pas des siennes, mais visiblement ça fait des siennes depuis tout à l'heure, du coup je vais lui claquer un Alt F4. Oui! Faites du contenu sur ce jeu, les amis. Putain, la vache. Je savais que j'aurais dû faire des salty duels sur Trackmania. J'attends que le cloud se mette à jour. Les amis, si vous participez au truc, au tournoi, tout se passe sur le serveur SA Prod.
s'il y a des trucs. Tous les participants sont sur le serveur SAPROD. Et ne n'interviennent pas pour se plaindre, etc. dans le chat, ce serait cool. Vous êtes plus de 200. Ok. Il veut pas, hein. Eh, Ubisoft, je peux même pas. Les amis, regardez. God damn it, je vous jure quand ça va pas. Ah, ce qui doit être resté activé, je pense. Ça, faut l'aimer, ce jeu. Ah, voilà, c'est bon, ça va lui mettre le cloud. Comme je vous avais dit, les problèmes sont maintenant. Mais après les deux premiers tours, ça ira beaucoup plus. Ce sera beaucoup plus simple. Sorry for this. Donc je vais réinviter Len. Je sais pas s'il est dispo sur le live. Vu que j'ai vu que t'étais là, je vais te réinviter Poulain. C'était Len et il invitait Elysium. Quelqu'un pourra me dire dans le chat, les surveillants, quels rounds ont été gagnés? Dans quel ordre? Anticiper le Riost? Oui! Du coup, en avant. On est bon. Pas de bêtises. Là, je viens de demander un truc au surveillant. J'ai zéro réponse dans le chat. On est dessus. 5 sushis. J'ai plus l'ordre, mais il y avait 3-2. Ça, on s'en fiche, les amis. Il nous faut l'ordre, qui, où, comme dans tous les Riost. Il faut les sides qui ont été gagnés. Du coup, tac 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 tac. J'invite Len. Ok. Du coup, on est toujours sur house. Pap, pap, pap. Allez, je vais baisser le son. Tac. Du coup, de mémoire, c'était Len que j'avais mis là. Il faut reprendre exactement comme c'était. Elysium. Ok. Ça, c'était comme ça. Et ensuite, on va ajouter les rounds history. Il y avait 3-2, mais il faut savoir qui gagne dans quoi. Qui avait gagné le premier round? Le premier round, c'était Len, ça c'est sûr. Et de mémoire, c'était ça. Len, défense en bas, win. Donc, car room. Ok. Le win, c'était Ellie. De toute façon, il y a eu à chaque fois l'un gang, l'autre gang, quoi. Et il est défendu sur le car room, ok. Ensuite, ça devait être blue win, non? Ça, c'est bon pour les deux premiers. 5 sushis. Le troisième, Len en def, win la chambre. C'est lui qui win. Ok. C'est bon. Ensuite. Ça devait être orange, a dû gagner. La chambre en def. Ok. Et le dernier devait être... Len a défendu le billard. Ouais, bien vu, ça. Super, merci Vigol, t'es un monstre, poulet. Blue a win le billard, qui doit s'appeler Game Room. Eh ben, c'est parfait. Impeccable. Mais du coup, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On est bon.
Super les amis, vous êtes des monstres. Pourquoi Beagle et pas Modo? Parce qu'il est artiste. Merci Clark HB. 17 points de frais scolarité au sein du corpus de la Salty Academy. Un monstre poulet. Oh, les opérateurs ban. Bien vu les amis. Putain, t'es un monstre. Du coup, il y avait quoi? Ça, je m'en souviens pas du tout. Je les ai pas regardés. Il y avait quoi en opérateur ban? Solis, Jackal, Blitz. Solis, Jackal, Blitz et Capcan. On est bon là-dessus? Jackal, Blitz, Solix, Capcan. Ok, bon, vous dites tous la même chose. En avant. R. Sorry again. R. Normalement, on est bon. Et ça va reprendre exactement là où on s'est arrêté. Ouh! Comme je vous ai dit, c'est les moments là les plus intenses parce qu'il y a 200 joueurs à gérer, c'est très compliqué. La prédiction va reprendre du coup. Bon, du coup, Len 3-2. Allez, en avant. Normalement, on est bon. C'était 3-2 pour Len, hein. Ouais, je pense que c'était pas mal. Et tout à l'heure, c'était Len qui était dans le truc. Ok, Mélusie. Heureusement qu'il n'y a pas eu de kill ou d'échange de feu sur le dernier round tout à l'heure. On fait comme si rien ne s'était passé. Merci Sushi. On ouvre la trappe pour avoir une rota facile. Et on se cache et on check autour de nous. Où est-ce que ça peut arriver? C'est ça le plus flippant quand t'es en 1v1. Quand tu sais pas où est ton adversaire. Bonjour, bonjour, je passe donner de la force. Bon live à toi. Merci Duditi pour les 10 mois, t'es un monstre poulet. Vraiment. Il a l'info. Il le voit pas le drone? Attends. Le drone était sur la table, non? Elysium a changé de t-shirt. Possible. Ouh, ça passe à pas grand chose. Bah alors là, maintenant, pour rentrer, ça va être trop relou. Et il le sait. Il peut pas rentrer par cette fenêtre. Il a pas grand chose à faire. Oh, la grenade. On va l'entendre. On va l'entendre. Elle est préparée. Et la deuxième qui arrive. Et est-ce qu'on rentre? Non, on rentre pas. Mais le drone, on le voit pas du tout. Et on essaie les petites décales. Alors qu'il n'y a pas vraiment besoin du côté de... Oh, mais on prend ses responsabilités du côté d'Elysium. On en a rien à foutre. Et ça fait 3 partout. Piou. Ça pique. Ça pique. Merci Duditi encore pour les 10 mois poulet. 3 partout entre Elysium et Len pour ce premier match des Salty Duel. On le rappelle, il y a plus de 100 matchs en ce moment. C'est la guerre sur le SA Prod. C'est la guerre. À chaque fois qu'ils vont là, on n'entend rien, on n'entend pas les murs. Ah, il a pas changé, rien dit. Ah, ok. Mm.
Oh, la petite ombre. Si on a activé les ombres du côté de l'aine, on va pas se faire avoir ici. Il y a toujours la petite ombre. Préparation de la grenade. On a joué sur Nock. Oh, elle est bien cookée. Celle-là, un peu trop même. On sait qu'il peut y avoir quelqu'un au contact à droite. Mais ouais, mais là, on y va en fait check total du côté d'Elysium. Pas super smart. Et bam, la tête derrière le réflexe. La punition instantanée de la part de l'aine. Magnifique. Magnifique. On va jarter ça là. Et ça fait 4 à 3, ladies and gentlemen. Et à chaque fois, c'est la même rengaine. L'aine mène. Et Elysium revient au score. Est-ce que l'un d'entre eux va pouvoir enfin faire le break ? Prendre le large. On va voir tous les opérateurs sortis. Hein. Putain la vache. Et qui prennent jamais les mêmes opérateurs quoi. Là on a Sledge, on a Goyo. Et pourquoi pas. On a envie de turteler. Et de jouer sur le temps peut-être. Du côté de notre cher Elysium. Décidément, le son dans le basement, R6, non, il n'y a pas de... Non. C'est sous vide. Le garage est sous vide. Il n'y a pas de son. Ah, Hélène, du coup, il a vu peut-être qu'il y avait un Goyo en face. Il se dit, bah tiens, je vais jouer sur la verticalité, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Bam! Et c'est parti, on va commencer à défoncer le plancher. Et du côté de l'Elysium, bon, on s'en fout un peu parce qu'on n'est pas vraiment sur site. Le but du jeu, c'est de se barrer du site jusqu'à ce que notre adversaire push. Pour après, pourquoi pas, déclencher les Goyo. Et en plus, on a le C4. Oh, attention au C4. Et attention aux grenades. Grenade qui servira à rien. Et on vient d'entendre là la caméra qui vient de se casser. Et le bait total. Oh là là, on se fait complètement avoir du côté d'Elysium. Tellement dommage. Oh là là, l'énorme pré-shot de la part de l'aine là qui était pas une tête. Les mécaniques insane. Et du coup, on le fait, le break. Ça fait 5 à 3 pour le jeune prodige. L'aine qui prend un petit avantage. Mais un avantage certain. Et encore une fois, on va voir tout le map pool des opérateurs disponibles. Hein. Tout le map pool. Cette fois-ci, on part sur de la Valkyrie. Et peut-être un bug, du coup. À moins qu'on voit qu'il y a une Valkyrie. Et pourquoi pas voir une petite IQ sortir. Alors, on va prendre l'info justement sur... J'espère qu'on l'a pris, l'info. Oui. Non. Oui. Mais on va pas changer pour autant. On reste sur un bug. Ouf.
au moins on aura les charges lourdes si on a envie de, pourquoi pas, péter ce mur solo. Ce qu'il va sûrement faire là, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ou alors on porte ses balls. Et on joue au niveau de cette fenêtre. Faut être courageux là. Hein. Pour amener son drone d'en bas, il aurait pu l'amener derrière lui. Là, il y a un trou de drone. En l'envoyant sur le toit plutôt. Allez, on prend l'info. Eh, le petit pré-shot. Il va connecter sur rien. Et malheureusement, derrière, c'est pas l'endroit le plus agréable, dans lequel on a envie de jouer. Du coup, on va mettre la charge. Mais derrière, petit zizou de la part de Len. Et on va décaler. On va décaler. Et là, on sait pas vraiment où il est, Len. Où est-ce qu'il est? Et il est juste derrière la bombe, Len. Il est en train de jouer à cache-cache. Et ça va être compliqué pour Elysium, là, qui s'est mis vraiment dans une situation pas des plus agréables. Il doit swinger à gauche, swinger à droite. Len a totalement l'avantage. Et là, il voit le bras. On va mettre quelques balles. Ouh, attention à ça, quand même. Et il est plus à droite, il est plus à droite, il est à gauche, deuxième fois, elle est très mais facile pour Len. Et ça fait 6 à 3. Balle de match. Pour Len. Face à Elysium dans ce premier match des Salty Duel. Où on le rappelle, il y avait quasiment 200 participants. Et le gagnant repart avec un PC gaming. The Gamer. Envoyé directement par Flo-up chez lui. Oui. On va voir tous les opérateurs. Ah non, Len reprend Yana. 3 balles de match du coup pour lui. 3 balles de match pour Len. Et malheureusement, on va pas récupérer le Mozilla. Enfin, on va pas récupérer le drone. Du côté d'Elysium, on a laissé le drone s'enfuir, à moins qu'on sache où il est. On va le chercher maintenant. Bah non, on s'en bat les couilles en fait. On veut juste jouer sur la prise d'information. Mais est-ce que... Est-ce que pour autant... C'était ça qui posait problème tout à l'heure. Ou alors ça peut être aussi un pic confort, ça reste une arme incroyable celle de Mozy. Et on va rester là au niveau de la librairie. Et on sait du coup, hop hop hop, on est un peu encerclé. On peut pas trop prendre les infos, mais je pense que l'information capitale, elle a été prise. On sait qu'il se trouve au niveau de la librairie du côté de Len. 3 balles de match pour lui, on le rappelle. Et on va pas se faire avoir. On essaie de prendre les infos sur le site. On n'est pas vraiment sûr non plus de là où il pourrait se trouver. Et du côté d'Elysium, attention. Attention à ça, attention. On est droné du coup. Len, il a envie de capitaliser tout de suite sur cette information. Mais c'est pas le cas. Et on a l'info. On casse la cam. On va venir jouer directement. Le petit 360. La grenade dans les yep. Qui fera quelques dégâts. Elysium qui est mis sous grosse pression là. C'est Len qui prend totalement son ascendant. Il a aucune idée d'où il est. Et 40 secondes. On écoute. Du côté de Len, on essaie de prendre l'info. Et on repart à la chasse. Dans ce qui pourrait être le dernier round de ce match. On essaie de savoir s'il n'y a pas un drone qui nous voit, puisque ça bouge pas en face. Et on va rentrer dans les 20 dernières secondes. Attention, ça arrive par derrière, ça arrive par derrière. C'est facile pour Elysium, facile pour Elysium. Mais attention, il fallait surtout pas balancer ça. Ça fait quelques dégâts de part et d'autre. On essaie de jouer, on essaie de swinger. Mais c'est Len qui gagne son duel derrière. 6, 7 à 3. Premier match remporté par Len. Elysium et son parcours s'arrêteront là.
GG. On avance, ladies and gentlemen. Enfin, Len avance. Et on remercie Elysium d'avoir participé, puisque pour lui, c'est un BO1. Élimination directe, c'est sans pitié. C'est finito. Pour lui aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir avoir la tronche du bracket. El bracketto. Ah, votre bracket, il ressemble à un bracket ou votre bracket? Ah, mais il est là, en fait. Je suis juste débile. Hein. Full bracket. Full bracket. Ah, voilà. Ok, autant pour moi. Est-ce que je peux faire ça? Ah, bah voilà. Ok. Du coup, ladies and gentlemen, un petit F5 là-dessus. Et on va voir qui avance et qui n'avance pas. Petit update. Pendant que le prochain match est en train d'être préparé. Pendant que certains matchs sont encore en train d'être joués. On a Afid qui passe contre Andreas, c'est déjà terminé. On a Len qui vient d'être confirmé contre Elysium, c'est déjà terminé. On a It's Me MK qui vient de gagner contre Psycho, c'est déjà terminé. On a Nero des Youngties qui avance et qui vient d'éliminer Thiago. On a Mizu qui a éliminé Candy ADD. Mizu avance. Et en bas, on a votre cher Sneezy dont vous parliez tout à l'heure qui gagne contre Strax. Oui, monsieur. Alors, pour le prochain match... Pourquoi c'est pas Artei qui vient me voir? Il veut plus me parler? Si, c'est juste que je m'en charge tout le temps. En fait, je fais les premières games et après, sera Artei. Il est bourré un peu? Il y a moyen, vu ce qu'il a dit, oui, il y a moyen. On est d'accord, en fait. Il a fait la Java hier soir. Oui. Ah, bravo. Bravo. Mettez où Artei, il est bourré. Artei, crée-vous. Dans le chat. Putain... Aïe aïe aïe. Anyway. Le prochain match, on aura Skaten Lee contre Mator. Skaten Lee? Oh, mais je l'ai pas vu dans le truc. Il est tout en haut. Skaten Lee tout en haut. Et. Ok. Et je vois pas l'Ikefa qui participe ou pas? Ouais, il est dedans. Il est perdu un peu au milieu de nulle part, je crois. Là, il est déjà en train de faire sa game. Ok. Je le vois pas, moi. Vous avez vu l'Ikefa ou personne? Où il a pas confirmé sa participation. Merci Viggle pour les 17 mois, t'es un monstre poulet. De rien. De rien. Je le vois pas du tout moi, je vois à aucun moment, aucun endroit, je vois marqué l'Ikefa. Eh ben c'est qui de base il ah était. Ah si, il est là. Contre Logan Pepper. Ok. Ça marche. Putain, Je suis 54 BG. Pourquoi t'es pas VIP en revanche? Je viens de finir ma game. T'as gagné, j'espère. Attends. C'est bon, t'es VIP. Je viens de finir ma game. Y'a que moi qui peux mettre des VIP sur le chat? Viggle? Oui. Ah d'accord, ok. Ah oui, parce que t'es le streamer. Oui, pour l'instant. Ok. Merci en tout cas, Quentin, d'avoir offert la possibilité à l'IKEFAC de payer ses 2 mois de frais de scolarité au sein du campus de la Salty Academy. Du coup, ok, c'est parti. Je claque un F5. BM, il va peut-être y avoir encore des updates. Hein, ça va pas arrêter de toute façon, là. Il va y avoir des updates et il va y avoir 150 000 protestes. Que je ne gérerai pas du tout. Reda a perdu contre Nolf. Ok, Reda qui avait participé au Salty Duel. Oh, Youngties Royal, il me semble. Ok. Sneezy, ok. Il y a encore certains matchs qui nécessitent d'être update. Merci JL Lohan pour les 4 points de frais scolarité. Merci. C'est pour ça. C'est le début du tournoi. C'est normal que ça prenne. C'est là qu'on est dans le plus gros de l'entonnoir avec plus de 200 joueurs. Donc c'est normal que ça prenne un peu de temps. Et après, dès qu'on sera au tour 3, c'est bon. Tout le monde saura exactement ce qu'ils ont à faire, etc. etc. Du coup, on va passer au round suivant.
Enfin, on va passer à ce qu'il se... à quoi il faut passer. C'est toi qui décides, Vigol, dis-moi. Eh ben, là, j'attends juste les liens caméra, les liens okay. Qui s'ajoutent entre eux. Et après, moi, je ça peux part. Ajouter déjà sur la partie... sur la partie ajoutée, in-game. Très bonne question. Je sais pas là où ils en sont. Là, d'accord, je sais pas si ils sont en vocal. Écoute-moi bien, espèce de petit trou du cul. C'est moi qui pose les questions et toi, tu réponds. Toi, tu m'apportes toutes les réponses du monde, Viggle, ok? On fait comme ça aujourd'hui? D'accord. Mais seulement sur la première partie de la journée. Hein. Après, c'est Arctic. Ouais, non, mais attends, s'il a 2,4 grammes là. Ouais, dès voilà. Qu'il a des cuvées. Ouais, putain, les branquignoles, sérieux. Oh la vache. Parce que j'attends toujours Sky, en fait. Hein? J'attends Sky qui est en vocal, mais il répond pas. Il vaut mieux écrire. De mémoire, non, avec Sky, je c'est mieux l'écrit que le vocal. Je lui écris, j'attends sa réponse. Ok. Tac, 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 tac. Create a spectator. Et on va partir sur le deuxième. Et donc, Sky Tiny qui participe, c'est cool ça. Hein. Putain, il y a du beau monde là. Il y a du beau monde. Il y a du Ranked Hero. Il y a du streamer. Il y a du joueur professionnel. Vous êtes des monstres. Yo, je sais pas. Ah, j'ai pas vu le truc. Il est pas alcoolique, il aime juste l'alcool. Mais je vous en ai dit, je vous en ai parlé, les amis, hein, des problèmes d'alcool au campus de la Salty Academy. Hein. Ce n'est pas une plaisanterie. Hein. Je suis le seul à boire de la flotte avec du holy à l'intérieur. Voilà. Point d'exclamation H-O-L-Y. Franchement, là, le campus, ils sont un peu déprimés parce que j'arrête pas de leur tirer dessus avec tout le boulot, tu vois. Mais je sais comment est-ce que je vais leur remonter le moral. Je vais faire un partenariat avec Jack Daniels. Là, ils seront tous fous. Là, ils seront tous fous. Je suis le seul à boire du thé pour chill. Du coup, on attend Sky. Bah attends, bah, on attend. T'es sûr et certain que c'est Sky Tiny, du coup, qui... Ouais, là, j'ai tout ce qu'il faut du côté de Mator. C'est pas comme ça? Si, d'accord. Mais Sky Tiny, c'est lui, ça? Comment ça se fait que je l'aurais... Pourquoi je l'aurais pas? Ah mais non, ça doit être Ironix. Hiro... Attends, c'est Ironix. Un truc comme ça, non? Iron One. Ironix. C'est bon, on a Sky qui se prépare. Ok, bah faut qu'il... Normalement, je dois l'avoir parce qu'il était au... Ah, c'est Iron avec un one. Iron One KS. KZ. Pas ça, non? Yoke, les gars. Ouais, c'est un truc du genre. Bah ouais, mais. Un truc du genre, Lewy. C'est le moteur de recherche Ubisoft Connect. Hein. Donc, par définition, ça marche pas très bien. Il me faut le mot exact. Q. C'est Iron1QZS. Iron1QZS? ZS, ouais. Ah, il est là. Vous vous rendez compte qu'on tapait quand même tout ça et le jeu voulait pas me le donner quand même. Incroyable. Incroyable ce moteur de recherche. On dirait Lycos. T'as vu, c'était un Q. Ah bon? J'avais mal écrit? Merci. Merci les poulets, vous êtes des monstres. Et en particulier Lohan, t'es un monstre pour les 4 mois de frais scolarité. Du coup, j'ai invité Sky, il va me falloir donner la map, le side. Tac, je gère ça. Je reviens vers toi dès que j'ai tout. Okay. All right. Ok, Sky Tinley, le voilà. J'espère que le technicien fric qui a défoncé Manning se prend un bus. Oh putain la vache. Ah ouais?
Et d'ailleurs, ladies and gentlemen, il n'y a pas des gens qui sont LFT, LFT là, et qui se touchent la nouille en ce moment, et qui font rien. Non, mais qui sont bons, qui veulent soulever un marteau un jour. Genre dans une... sous deux ans. Donc déjà, vous voyez, c'est pas deux semaines. Hein, parce que là, souvent, vous, là, les jeunes, là, au bout de deux semaines... Ah bah en fait, je pars sur Rocket League. Donc voilà. Avec un putain de niveau d'enculé. Désolé, mais voilà. L'équipe Unity cherche encore. Et la semaine prochaine, c'est le bootcamp. Et après, c'est la Louvard. Et après, c'est la Gamer Assembly. Il y a un invité surprise ou pas? Surprise, non, mais il y a beaucoup de VIP en tout cas. Et il y a beaucoup de très bons joueurs. Ça, c'est sûr. Ok. Bon, on attend du coup pour savoir quelle sera la map. Ils sont en train de faire le map ban normalement. Yes, c'est en cours. Le problème, c'est que tout le temps que sur le bracket, ils sont pas mis ensemble, ils peuvent pas le faire. Bootcamp où? À Paname? Ouais, à Paname, ouais. Tout frais payé. Si vous avez des joueurs qui sont, bah voilà quoi, de très bons joueurs ou qui se font chier dans des projets foireux. Ouais, maintenant on s'en bat les couilles, on va faire disband les teams. C'est comme ça que ça marche, non? J'espère Skywin. Là, il y a quand même pas mal de gunners quand même. Hein. Ouais. Ok. C'est bon, ils vont pouvoir faire leur bracket. Enfin leur bracket, leur map ban. Ok. Au même endroit que les héros? Non. Je vous ai pas fait voir les photos? Je vous ai fait voir les photos quand même, non? Ah, j'ai pas trop le droit de les faire voir, mais bon. En vrai, le temps d'attendre. Ça sera chez Omino, bien sûr. Mais le nouveau studio. On essaie de faire les choses bien, non? Voilà, donc si vous êtes dans une équipe pourrie, les mecs... qui sent la zigounette avec deux followers ou qui commence par LFO. Venez, on est bien. J'ai envie de faire un vrai projet maintenant. Au bout de 5 ans, j'ai envie de me réveiller. Un truc sur la durée. Ouais, mais faut avoir 18 ans. Ah ouais, bah ouais, désolé, hein, ça c'est pas moi, c'est Ubisoft. Hein. Une fois de plus. Moi, si ça tenait qu'à moi, bah, ce serait comme les Salty Duels. Hein. Si vous pouvez, voulez participer à 16 ans, bah, faites-le. T'as win? Bien joué, Spur. J'update le tournoi. J'update El Bracketto. Voilà ce qu'on a. Merci Axel, nouvel étudiant du campus. Merci Zeiko, Gojo, nouvel étudiant. Vous êtes des monstres, les amis. Point d'exclamation de charme pour vous si vous l'avez jamais eu. Eh ouais, Spur avance. Mismo avance. Stardust avance. TT9, ils sont où les TT9? Len avance. Nolf avance, Klega avance, nice Klega. Ok, on a tous les ans. Avance, eh, Jua aussi. C'est il y a du gros niveau quand même aujourd'hui.
J'ai tout. Bah vas-y, on y va, en avant. Ce sera sur yacht. Ouais. Ensuite. Et c'est Skate Only en défense. Ok. Qui est en haut dans le bracket? Sky. Ok. Et en face, le nom? Mator. M-A. 2-T-O-R. 2-T-O-R. Ok. Et c'est Sky en défense? Ouais. Orange en attaque. Alright. On est bon. Et bien parfait. Les et settings bien sont good. Merci poulet. Non, je lui ai même pas dit merci. Yes. R pour Mator. R Sky. R. En avant, ladies and gentlemen. Deuxième match de la journée. Et cette fois-ci, ce sera entre Sky Tinley et Mator. Qui va gagner? En vrai, avoir pris Yacht, connaissant le petit handicap de Sky Tinley, c'est le meilleur move possible. Le meilleur move possible. C'est la map la plus bruyante du jeu. Sachant que c'est Mator qui a choisi la map orange. Mais du coup, quelqu'un a dû bannir House ou Plane. Ouais, Sky est sourd à 85%. Vous pouvez aller voir sur son stream et taper la commande de point d'exclamation sourd. Ouais, n'hésitez pas d'ailleurs, s'il est en live, à aller le soutenir. Merci au NoSnipe, t'es un monstre poulet. J'ai pas encore la confirmation, mais je pense qu'on a gagné le... Hein? Je crois qu'on a gagné le Holy Sub. Y'a Sky. Let's go, j'ai win contre Kalex. Sérieux? Et c'est parti les amis, entre Ironix et Mator. Enfin Ironix et Sky Tinley, vous le voyez en haut de l'écran. Merci évidemment Poimu pour les 34 mois de frais de scolarité. Merci poulette, t'es un monstre. De bruit. Et on va prendre l'info. Et c'est pas con. Et on vient de perdre son drone du côté de Mator. On vient de perdre son drone. Le premier. Et c'est parfait du côté d'Ironix. Attention quand même à donner sa position là. Attention la décale, la décale. Le petit ling. Le petit shake au pic de part et d'autre. La grenade qui va partir pour Ironix. Attention au trou qui a été fait à droite. Et on entend du coup la porte qui vient de se casser. La petite ligne, elle va être prise. Ça va être extrêmement compliqué pour Mator. Il y a tellement de lignes à couvrir. Mais on va prendre l'info. Cette fois-ci, on prend l'info. Et on va porter ses balls. On va pas perdre son drone cette fois-ci sur le drone. Sur le mute. On va préparer une grenade. Et on l'a pas entendu cooker du côté d'Ironix. Elle est parfaite. Non, elle est mal faite. On perd 50% de HP quand même, on va pouvoir pusher. Et derrière, on se fait mettre au sol relativement facilement de la part de Mator. Très bien joué de sa part. Terminé.
Lena Win, oui. Et ça fait 1-0 pour Matt. Face à Sky Tinley. 1-0 pour lui. C'est vraiment difficile hein, des salty duels pour Sky. Autant sur d'autres trucs, il peut justement aller s'adapter. Être un peu, faire un peu le loup comme ça. Aller choper une rota, etc. Jouer sur des éléments relativement visuels. Là, les éléments sonores sont encore plus importants. Et on joue Yana. Yana face à Melusi. Pour le moment, les deux opérateurs les plus utilisés de la journée, j'ai l'impression. On a vu Mute tout à l'heure. En tout cas, Yana, c'est clairement le top 1 de la journée. Et on prend l'info du côté d'Ironix. Et on va se faire casser son drone. On utilise la grenade. Parce qu'on peut-être qu'on se dit qu'il est pas sur le site. C'est possible. C'est possible. Mais on n'est pas stupide du côté de Mator. On va revenir. On prend l'info. On avait mis une caméra intelligemment placée. On peut contrôler les deux accès principaux, les deux portes. Et puis Ironix, forcément, va falloir jouer sur les éléments visuels. Et malheureusement, on vient de se faire avoir son drone ici. Et Mator, attention, ça va jouer sur ce face check, ça va jouer maintenant. Ça va être compliqué pour Sky Tinley. Là, il n'a pas vraiment l'avantage sur cette décale. La grenade qui part, mais il met énormément de dégâts. Sky Tinley qui gagne quand même son duel. Un partout. Oh là 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 là. Magnifique. Et on met une petite pause pour la cam. Merci évidemment Poimu en tout cas pour les 34 mois de frais scolarité, t'es un monstre. La décale était... La deuxième décale était parfaite. Pixel. Fucking pixel. Incroyable. Un partout. Est-ce qu'on est bon? Yo, outsider. Comment ça va les poulets? Bien. Je vais pas lui laisser trop de temps en revanche. C'est le genre de choses qu'on doit préparer avant. Oui. Ça arrive? Ok. Merci Vegan. Votre copain Stizzy est en train de se faire laver. Il est en live? Ça, c'est du gros plan, je te le dis. Il y a 2-0 pour le moment, mais Shazy est en live, oui. Ok, ça marche.
Ok, en avant. Ah, Mator qui s'est cadré visiblement. Le mec, il s'est cadré. Mec, t'es pas en BTS cinématographie. Je me trompe. On voit le bout de ton oreille. Oh my god. Incroyable ces joueurs. Aïe aïe aïe, tout ça pour ça. Je te jure. Alors que la prod de bosse d'arrache-pied pour essayer de leur dire hey, « Eh mec, lisez ça !» Ils lisent que dalle. Ils lisent que dalle. Allez, on prend l'info. Un partout entre les deux joueurs. En tout cas, on revient sur le match. On a renforcé de la trappe. Et on prend les infos. Petit pré-shot qui sert à rien. On a pris l'info. On sait où il est du côté d'Ironix. Les caméras qui servent. Les petits pré-shots qui servent à rien aussi. Parce que c'est pas du tout là qu'il est. On se fait casser la cam. Et on essaie de jouer. On sait très bien qu'en face, on peut avoir une ligne. Même pas. On est sur la cam. On prend toutes les informations nécessaires. On n'a pas besoin de se donner. Ah, le petit pré-shot. On s'était dit qu'il allait faire swinguer 2-3 fois, pas plus. Et la grenade, elle va faire mal. Elle va faire mal, la grenade. Elle fait quelques dégâts, la grenade. Et elle fait bouger. Derrière, on réoriente le pré-shot. Tellement intelligent de la part de Mator. D'être venu sur l'endroit où il avait fait le trou juste avant. Très intelligent. Descends la cam si tu peux. Ou sinon, tu devras nous donner la référence de ton ampoule. Elle est incroyable. Ah, ah, beau gosse. Il est cool ce joueur là. Il fait partie de quelle équipe? C'est une équipe NPC? Ah, je fais une merde, je connais rien. Merci Mystique, nouvel étudiant. Un monstre poulet. Allez, Ironix mené au score 2-1. BM, on prend Nock et on prend surtout plein d'infos. Bam, 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 on peut se rapprocher parce qu'on sait où il est. Ou pas, on va aller jouer en dessous. Casser une cam. Ah ouais, il avait vraiment envie de découvrir le... Ah ouais, ok. Ok, on attaque vraiment par l'autre côté. On casse la radio, on casse le drone aussi. Et du coup, il faut capitaliser sur cette information parce qu'il va nous rester un drone. On se rapproche forcément. On est juste à côté de la case dans laquelle il y a le défenseur. Et c'est là qu'on va réutiliser son drone, très probablement. Celui qui nous reste. Ou pas. On va jouer là-dessus. Est-ce qu'on pourra derrière essayer d'utiliser ce mini trou de rotation? Et justement, on veut utiliser son drone, mais on ne l'avait pas pris avec soi, son drone. Ce qui n'est pas génial de la part de SkyTenny. Du coup, on a les boules, forcément. Et on va pusher, on va pusher. C'est intelligent. C'est intelligent d'avoir pris Nock. C'est tellement intelligent. Il le sait. Il le sait. Il le sait qu'il est à sa gauche. Non, il est derrière. Il ne l'entend pas. Eh ouais, ça, c'est compliqué pour Sky. Il est obligé de... faire confiance aux informations visuelles.
Et on l'entendait pas à gauche, forcément, c'est hyper compliqué pour lui. Et du coup, bah tranquillement, on vient se faire surprendre dans le dos. Alors qu'on venait, prendre une information visuelle. Son erreur, ça a été vraiment de laisser le drone en dessous, c'est débile. C'est pas sur les 10 dernières secondes qu'il faut se pencher, c'est pour remonter. Et son erreur, c'est d'avoir de pas embarquer les deux drones avec lui. Il devrait prendre un drone comme il l'a fait, se rapprocher de l'endroit où est son teammate et après bah, se dire « Ok, j'ai un drone quoi ». D'ailleurs, je pense que Yana, c'est quand même beaucoup mieux que d'avoir pris une knock. Il faut qu'il vienne faire confiance. Il faut qu'il vienne compenser le handicap avec, avec tous les éléments, toute la panoplie des opérateurs visuels. Si je puis dire, donc du montagne c'est possible, de la Yana, de la Twitch qui nous rajoute un drone, de la Brava maintenant, pourquoi pas. Et ça fait 3-1 pour Mator. Merci évidemment Outsider d'avoir offert la possibilité à Ceruno ses droits de scolarité. Merci Mystique Froche, nouvel étudiant, bienvenue. Point d'exclamation de charme pour le poulet les amis. Vous êtes des monstres. Eh, on est sur site? On est sur site! C'est compliqué, on est sur site! Et la DK, elle passera pas! Elle passera pas! On s'est fait surprendre là! J'ai pas trop compris, j'ai pas trop vu ce qui s'était passé du côté de SkyTinly. On s'est totalement. On a totalement délocalisé le site. On a totalement délocalisé le site et du coup on s'est fait surprendre parce que derrière on a pris l'information et on s'est dit bah il est pas sur le site donc je vais jouer la sécurisation de zone. Et on joue l'objectif et ça paye du côté de Mator. Ça fait 4-1. Il met les voiles. Vous l'avez ou pas? Parce qu'en fait on est sur un bateau. Allez, SkyTinly qui va prendre la cuisine. Pas du tout, Mator qui va prendre la cuisine. On n'oublie pas sa switch de... Avec un magnifique setup. Un boys band le truc. Allez, Ironix qui va prendre les infos, j'espère cette fois-ci. En revanche, il a toujours pas pris le... On a pris la nomade. Quitte à prendre cette arme, genre, je pense que Yana était quand même mieux pour avoir la possibilité, bah, voilà, de mettre le doute, de prendre une information supplémentaire. Et justement, l'info, elle va être prise maintenant. Le drone est envoyé, on fait attention aux sorties. Et on prend l'info visuelle, on sait où il est. Et on veut pas le perdre le drone, mais derrière on le sait, de côté de Mator. On sait parfaitement du côté de Mator. Que... Oh, on va perdre les deux drones du côté de SkyTinly. Et là ça va être compliqué. Là ça va être compliqué. L'erreur de la part de SkyTinly qui va devoir bah jouer juste sur des éléments de fait échec. On est en full fait échec, on sait pas où il est. On a zéro info. Et l'amateur, lui, il a tout le loisir d'écouter et de prendre le duel et de pique le duel quand il en aura envie. C'est-à-dire maintenant. Et on se rate quand même, attention à ça. La flashbang qui va pop. On casse la cam. Du côté d'Ironix et on rotate. Petit décale au niveau du couloir. Ouh. Et on va commencer à swinguer de part et d'autre. La nomade, pourquoi pas. Même si à mon avis, il reste plus que 30 secondes SkyTinly. Il va pas faire une rota. Merci Empty Your Mind pour les 2 mois. Attention à ça. Attention à ça. L'erreur peut-être de la part de... Oh là 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 là, la Mator. Heureusement. Heureusement. Heureusement qu'il connecte la tête ici. Autrement derrière, c'était fini. La flash était... Pixel. Et ça fait 5-1 pour Mator.
Sky Tinley bah, se fait manger. Merci, MT. Et n'hésitez pas, les amis, si vous avez un euro à balancer. Cette fois-ci, ça part pas pour Youngtis. Ça part pour la prod. Et aux personnes de la prod. Pour qu'ils s'achètent du Xanax, du CBD, de l'alcool. Pour venir compenser les 3 semaines de stress qui se prennent dans la gueule. Et Mator, Suramaru, on peut se le permettre de toute façon. Essayer d'enfoncer le clou. Ironix, lui, comme tout à l'heure. Eh, on joue le shotgun. Et on prend l'info. On prend l'info. On prend l'info, on n'a même pas besoin de pinguer, on balance le pré-shot. Et Ironix qui se situe juste en face de la fenêtre, qui avait aucune idée. L'info était juste à ses pieds, le drone était juste à ses pieds. Et derrière, on se fait totalement sécher sur cette décale. Trop facile pour Mator et ça fait 5 balles de match. 5 balles de match pour Mator face à Sky Tinley qu'on voit en bas à gauche qui est dans le mal mais qui garde le smile. Fidèle à lui-même. N'hésitez pas à mettre son... Twitch. Son URL Twitch dans le chat. Et Mator double alarme ici. On s'attend pas vraiment visiblement à un push derrière. On fait quelques petites prépas par-ci par-là. Aïe 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 aïe. Et là on peut se permettre pas mal de choses du côté de Mator. Par exemple de rester sous cette fenêtre qui vient d'être ouverte. Est-ce qu'on va sortir ? On va sortir du côté de Mator. On va même pas respecter Sky Tinley. Et la tête qui passe sur la dernière boulette et c'est fini. GG, well played. Oh lolo, elle est dégueulasse quand même celle-là. Le turn méritait de passer, mais quand même, ça fait 7-1. Il méritait de gagner. Mator avance et c'en est fini de votre streamer préféré dont vous pouvez aller, que vous pouvez aller féliciter sur la chaîne qu'on vient de vous balancer, les amis. N'hésitez pas à aller cliquer sur le lien et aller le remercier et l'encourager. C'est dur pour lui. 7-1, c'est sur ce score final qu'on ne retrouvera pas Sky Tinley pendant les salty duels. Et on va pouvoir aller voir le bracket qui va s'être bien update du coup. En avant. Ouais, ouais. Allez, qu'est-ce qu'on a du coup? On a Mator qui va passer du coup. On vient d'avoir la confirmation, ça vient d'être update en temps réel face à Oxide. Il va jouer face à Oxide qui avait gagné. Eda va jouer face à Too Bad for Capo. Outsider est passé. On attend toujours le résultat du premier match. No Life face à Gasson. Bouzoulouf va jouer contre peut-être le vainqueur de Archery. ADN face à Mopizopot. Je veux voir ce match, hein, Viggle. Hein. Ah, ok. Donc, ok. Eh ben, je vais. Bah, sauf s'il est lancé. J'en sais rien du tout, pour le coup. Ok. Lucky, merci pour les 25 mois. T'es un monstre, poulet. Et n'oubliez pas, les amis, vous pouvez envoyer un petit GG, un petit cœur, parce que. Lucky, c'est la personne qui a mis le lien, qui est un ancien du campus de la Salty Academy et qui a fait le lien entre Flow Up, hein, qui sponsorise ces Salty Duels. Rappelez-vous, ces Salty Duels sont sponsorisés par Flow Up. Hein. Faites point d'exclamation. Je sais pas s'il y a un point d'exclamation Flow Up dans le chat. En tout cas, le PC qui est offert à la fin est offert par eux. N'hésitez pas à aller voir leur PC. Ils font des bons PC, des bons petits trucs sur mesure. On a l'update là qui vient d'arriver. Archery vient d'être update. Il a gagné face à Nartic. C'était quand même un gros joueur du Youngtis Royal. Donc merci. Il y a 1-0.
Je leur dis d'annuler et. Non, trop tard. Okay. Mais il faut anticiper, poulet. Bah, en fait, on avait anticipé Kléga, qui était à son troisième match, on l'avait déjà regardé depuis le début. Ok, ça marche, écoute, ça me va. Ça marche. Ok, let's go, poulet. Donc, bah là, on attend juste du coup que Divacy contre Ryu qu'on finisse. Attends, iMyLix, qui est un joueur qui a participé au Yungtis Royal, a perdu contre Alro des héros de l'EHPAD. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je lise? Apparemment, oui. On pisse déjà in-game. Ok, les amis. Eh ben, Len avance, Nolf avance, Anne avance, Kléga, du coup, qu'on va retrouver maintenant face à qui? Au vainqueur de Divacy face à Meryu, du coup, c'est ça? Ouais. Donc, faut qu'on attende encore un peu. On a Itzy MK qui avance et qui joue contre Yui. Juha facilement qui avance et va jouer contre Nerod. Ça aussi, là, il y a du niveau, je pense. Slio MX7. C'est en cours. FireEye joue contre Data. Nero de Yungtis gagne. Et c'est l'un des premiers à passer au tour 4 directement. Le monstre. Merci évidemment Jericho d'avoir offert la possibilité à 5 personnes de payer leur droit de scolarité. Merci pour Enermax, Glou le chat, Economos, Quentin et Neyox qui sont tous payés leur droit de scolarité au sein du campus de la Solitaire Academy. Envoyez plein de GG, plein de cœur s'il vous plaît pour Jericho qui a failli quitter le campus parce qu'il a pris la sauce avant-hier comme beaucoup de surveillants. Mais ils restent, ils tiennent la marée les surveillants du campus de la Solitaire Academy. Ah, donc envoyez-lui double GG pour tout ce qu'il fait au campus et pour tout ce qu'il vient d'offrir, les amis. Rancœur. Non, t'inquiète, je suis déjà en train de les contacter, Likefak qui sera potentiellement contre Rancœur, je suis déjà en train Ouais, celui-là, je veux le voir. Likefak face à Rancœur, bah oui. Attends, enfin si, il gagne contre la Frite Belge qui était tout à l'heure dans le chat quand même. Qui lui a gagné contre Kalex du Yungtis Royal. Mais ça, ouais, ça, il faut le pré-shot, ce match-là. Donc, c'est le match qu'il y aura après Kléga, ok? Ouais, c'est déjà prévu. Ok. Ouais, celui-là, il est inratable, celui-là. Norage, je gagne le tournoi, Six. Vous gagnez le tournoi? Le refresh, il est en live, Tipeee. Tout à l'heure, on a vu un truc, ça se refresh en live. En vrai, il n'y a pas besoin de refresh. RQ à win. Tu vois, ça vient de se mettre. Normalement, on voit même le petit effet qui se met en live. Donc ça, c'est vraiment bon. On n'a plus besoin À savoir que eux, ils ont fini avant la game de... Là, que les gars, il a toujours pas son adversaire. Ok, on part sur Rancœur contre Likefak. Ok, je contacte. Quoique, de toute façon, ça fera attendre tout le monde. Ouais. Vas-y. Mais c'est juste que du coup, soit Likefak... Soit Rancœur va devoir attendre au tour 5 assez longtemps, par définition. Eh ben, je vais en vocal et je vais voir si ça les dérange. Ils sont déjà en voc ensemble. Vas-y. Likefak face à Rancœur, du coup. Ladies and gentlemen, ça va être un gros match. Je reviens, je vais aux toilettes. Avec ce match qui s'annonce d'anthologie. Oui. N'hésitez pas. Faites-en de même.